Bonjour, dans cette vidéo, on va voir deux méthodes pour réparer les fichiers Excel. C'est parti! Comme vous pouvez le constater, j'ai un Excel qui s'ouvre, mais quand il s'ouvre, en fait, il n'y a plus rien qui apparaît. Donc mon Excel est corrompu. On va voir qu'avec deux méthodes, on peut facilement le réparer. La première, c'est de passer par Excel pour tenter une réparation. On va lancer Excel. Et ici, on sélectionne son fichier. Et avant de cliquer sur Ouvrir, on va ici en bas et on fait Ouvrir et réparer. On va faire Réparer. Et là, on peut constater que la réparation avec Excel n'a pas fonctionné. La deuxième méthode, on va sur Internet, on va les télécharger. LibreOffice, qui est une suite logicielle gratuite. Une fois le téléchargement fait, on l'installe. On va faire une installation normale. On fait terminer. On va faire un clic droit, ouvrir avec LibreOffice Calc. Et là, on peut voir que notre fichier s'ouvre correctement. Du coup, on va cliquer sur la disquette, on va faire enregistrer sous. On va l'appeler OK par exemple. On laisse Excel 2007 365, on fait enregistrer. On utilise le format Excel. On le ferme. Et là, notre fichier Excel OK s'ouvre de nouveau. Voilà pour la réparation d'un fichier Excel. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi. À bientôt!